m'appelle Jérôme Desjarlas, je suis réalisateur et sur certains projets, je suis également directeur de la photographie. Donc au début, j'ai beaucoup réalisé et fait l'image moi-même et au fur et à mesure, je m'en suis détaché de ça. Donc j'ai travaillé avec plein d'opérateurs différents et j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Thierry Arbogast, Christophe Bocarn, Mathias Boucard, Jacques Ballard. J'ai un grand plaisir à travailler avec des chefs opérateurs dont j'aime le travail. Quand c'est la question du réel qui est en jeu, je pense que d'avoir la capacité de soi-même arriver à capter ce qu'on souhaite et d'avoir la capacité technique aussi de pouvoir opérer soi-même, c'est une vraie force. Tandis qu'en fiction ou en pub, de pouvoir déléguer cette pression à d'autres et de partager la création à plusieurs, ça peut être intéressant. J'ai l'impression d'avoir eu la chance de rencontrer dans mon parcours des gens dont la vie et dans le parcours m'inspiraient énormément. Et tout a commencé avec un jeune souffleur de verre qui s'appelle Jérémy Vintrevert. Ce souffleur de verre avait une histoire de vie extraordinaire et donc j'ai fait un premier portrait de lui en 2010 qui est devenu en 2016 un long-métrage documentaire qui s'appelle Heart of Glass et qui est sorti au cinéma et qui a eu un parcours avec des sélections dans des festivals un peu partout dans le monde et est passé sur une douzaine de chaînes télé à travers le monde. Aujourd'hui, les annonceurs, comme on dit, ou les marques, ont développé un nouveau format qu'on appelle le brand content. C'est une nouvelle mode de communication qui est beaucoup plus axée sur les gens qui sont vraiment les acteurs qui fabriquent les objets ou qui incarnent les marques, qui sont les relais de leur image publicitaire. Et donc ça passe par la réalisation de portraits ou de mini-documentaires autour des marques. Et le fait d'avoir fait tous ces courts-métrages documentaires et notamment ce long-métrage documentaire m'ont positionné à un moment donné comme un interlocuteur un peu évident parce que j'arrivais à rendre de manière un peu épique et spectaculaire des gens qui sont des gens comme vous et moi. Pourquoi c'était intéressant que moi je réalise ces films? Parce qu'effectivement, au travers d'une démarche documentaire, on leur donne quand même un rendu qui soit à mi-chemin entre la fiction et le documentaire, que c'était important pour moi que l'image traduise à la fois quelque chose d'extrêmement naturaliste, mais extrêmement aussi esthétique, et avec des partis pris à la caméra et à l'image qui soient jolies et un peu épiques. Je termine en ce moment une publicité pour la prochaine campagne de sensibilisation pour la Fondation des Femmes. Et donc pour ce projet, j'étais réalisateur et aussi chef opérateur. Et c'est un film vignette, donc c'était un film compliqué parce que c'est un film qu'on appelle Grande Cause. Donc c'est des films qui sont souvent économiquement avec des partenaires où tout le monde joue le jeu, mais où les conditions de confort de travail sont plutôt restreintes. Et on a tourné donc avec mon Amira et des optiques qui naissent chez RVZ et des Cook S4. Et on avait avec un dispositif de tournage assez léger et l'Amira ont permis de réaliser un film dont l'image est plutôt extrêmement satisfaisante. Je voulais être le propriétaire d'un kit qui me permette à la fois de faire du documentaire, de faire des petits projets publicitaires ou des clips quand il n'y avait pas d'argent. Et que ce kit soit suffisamment étoffé que pour arriver à avoir le même degré d'exigence en termes de rendu que pour de la publicité ou du projet documentaire produit, que pour des projets perso sur lesquels je n'avais pas de financement. Ce kit a commencé avec l'achat de l'Amira, qui était au départ adossé avec des optiques EF que j'avais déjà d'un kit précédent, que j'ai ensuite remplacé par des Ingénieux Optimo, DP. Et là, plus récemment, je viens aussi d'acquérir une série Sigma Ciné avec un Skypanel 30 et une valise L5, un matériel qui permet d'avoir un usage extrêmement fiable, tant dans le rendu colorimétrique que dans aussi sa solidité et l'épreuve du temps. Je viens de finaliser un premier long-métrage de fiction qui s'appelle « Là où on va ». Et pour ce projet, j'ai collaboré avec un directeur de la photographie qui s'appelle Jacques Ballard, qui est un chef-op extrêmement talentueux, très physique, avec une image très nerveuse. Le look que je voulais pour mon long-métrage, il y avait deux moments forts, lumineux, et deux intentions lumineuses très différentes dans le film. Il y avait toute la partie, le préambule, qui se passait dans l'hôpital, où les cadres étaient très verrouillés, très graphiques, avec une lumière très, on va dire, classique. Et une deuxième partie en Thaïlande où là, le réel justement et ma filiation documentaire reprenait un peu le pas sur la direction artistique lumineuse du film où on voulait quelque chose de très vivant, de très coloré, très spontané dans l'utilisation de la lumière. Et donc ces deux moments lumineux étaient un peu en opposition et on a donc utilisé des master prime à grande ouverture qui étaient prêtés par Mathias Boucard
et qui nous ont permis justement d'utiliser au mieux la lumière naturelne et les éléments lumineux, que ce soit les tubes néons, les lampions, l'éclairage parfois de la circulation, ou l'éclairage simplement des marchés suffisait parfois à pouvoir rendre justement cette intensité lumineuse pour le film. La Mera et la Mini matchent parfaitement bien, parce que dans la mesure où c'est le même capteur, il n'y a aucune différence. Et donc ça, c'est aussi, en tout cas, ça c'est peut-être Arthur Paul, l'étalonneur, ou Jacques, qui en parlera mieux que moi, mais c'est comme si on avait utilisé deux Mini ou deux Amira. Ça change rien. Harry a été un interlocuteur intéressant pour moi dès le départ, parce que j'ai très vite eu la chance de rencontrer le responsable de l'Amira, qui s'appelle Marcus Dur. Régulièrement, il me demande des feedbacks sur les mises à jour. Moi, je lui donne des feedbacks sur l'usage et l'utilisation. Je suis souvent amené à voyager dans les projets que je réalise. Et donc, le fait qu'Harry ait un réseau qui soit disséminé aux quatre coins du monde m'a permis de pouvoir, par moment, trouver un soutien ou des réponses à mes questions, quel que soit le pays dans lequel je me trouve, notamment à Los Angeles ou à Pékin. Et grâce à ce réseau et grâce à cette présence aux quatre coins du monde, c'est extrêmement rassurant aussi de travailler avec ce type d'outils, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, et c'est vraiment un des stress quand on est réalisateur-opérateur, c'est que la fiabilité du matériel, même si le matériel est d'une grande fiabilité, il arrive que l'extérieur puisse l'endommager, et le fait d'avoir des gens qui vous répondent 24 heures sur 24, où vous soyez dans le monde, c'est un facteur de décision d'achat qui est déterminant.